Hey, coucou tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour une petite vidéo unboxing aujourd'hui, une spéciale Diamond Painting en collaboration avec la société Goodfell. Donc comme vous pouvez le voir, je vais vous présenter trois Diamond Painting, dont un très uni, un très coloré et un dans les tons bleus. On va commencer par le très uni, hein, puisque vous savez que j'aime mes fonds unis et je crois que ça m'attire vraiment, vraiment. Donc là, c'est une toile en 40 par 50. Je sais plus les diamants. On va voir ça. Je regarde pas les diamants, je regarde le motif. Si le motif me plaît, go, go, go. Donc, j'ai choisi celui-ci, une petite tasse à café avec des livres. C'est une toile composée de 23 couleurs en diamant rond. Et on a le toolkit de base, hein, la barquette, la cire et le petit stylet. Donc, un fond très, 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 très uni. Comme vous pouvez le voir, je vais m'amuser. Surtout, bon, c'est surtout uni vers le haut, hein, parce que après, en bas, j'ai quand même des couleurs un peu, vous savez, pour faire les ombrages des livres, hein. Mais voilà, j'ai quand même un fond très très uni en 38-65. Ah oui, je vais, oui, non, mais je vais m'amuser. La tasse, c'est très très uni aussi. Bah, vivement les livres. Vivement les livres qu'on aura à faire. Le prix de cette toile, 7,91 €. Ça va. On va regarder les couleurs. Bah, là, vous pouvez voir qu'il y a beaucoup de sachets blancs pour le fond. Ouais. Je sais pas, je vais même pas chercher à compter puisque j'en ai beaucoup. Là, vous voyez qu'on a du rose, du vert, du jaune pâle, du marron, du gris, du saumon foncé. On a un peu de violet ici. On est censé avoir un peu de bleu dans les tons bleus parce qu'on a un livre un petit peu dans les tons bleus là. Ouais, ça va être un gris bleuté. On a du vieux violet là quand on essaye de. J'essaye d'écarter un petit peu. Vous voyez? C'est vraiment. Vraiment coloré. Hein. Mis à part le. Mais mis à part le haut, c'est quand même très coloré. Hein. On a quand même de la couleur. Donc je vais marquer sur mon sachet Goodfell. Je vais marquer livre plus tasse. Et je vais marquer la référence. Je vais savoir c'est quoi. W2 4 5 2. Voilà. Donc voilà pour la première toile. Franchement, les symboles, c'est top. Oh, c'est vraiment sympa. J'adore. Ouais, quand je l'ai vu, j'ai craqué dessus. Alors, comme d'habitude, hein, je vais vous mettre en barre d'infos. Les liens des trois toiles que je vais vous présenter. Mais là, celle-ci, franchement, a été trop belle. Moi, en tout cas, moi, j'aime bien. Donc, on va passer à une toile, la toile suivante. Alors, je vais passer à la toile la plus petite, on va dire. Ça te dérange si je le mets là, t'es en train de dessiner. Manon est en train de enfin, dessiner, en train de faire des tampons. Et elle, j'ai glissé la toile un peu sur sa feuille. Et elle me regarde là, l'air de dire « Maman, ça me dérange. » Et là, j'ai choisi. Ah, c'est des carrés. En tout cas, sur la toile, ça paraît être des symboles carrés. Enfin, les. Ouais, oui, c'est des carrés. Ok. J'ai choisi Maman Chouette avec son petit bébé. On a des papillons, donc vous voyez que c'est dans les tons bleus, là, cette fois-ci. C'est une 30-40 composée de 24 couleurs. Le prix de cette toile, j'ai marqué hibou. 7,09 €. Vous voyez, là j'ai pris vraiment tout était dans les nouveautés. Hein. On a le toolkit de base, hein, la barquette, la cire et le petit stylet. J'ai fait un rangement hier sur mon petit meuble, ça valait le coup. Donc là, ce sont des diamants carrés. On a du violet, on a du. Je regarde les couleurs, mais je vous les montre pas. On a du marron, on a forcément du bleu. Regardez, là, on a un bleu, un autre bleu qui se ressemble. On a un bleu très très clair. Là, regardez tout ça.
On a du rose, on a un vert. On a de jolies couleurs. Hein. Regardez. Bah, t'étais. On voyait bien, puis d'un seul coup, tu te mets flou. Donc, voilà. Donc là, franchement, ça va être sympa niveau couleur. Ça va être top. Ça va nous changer un petit peu. Bah, c'est carré. On voit bien la démarcation des carrés. Je m'en rappelais plus que j'avais une toile en diamant carré. C'est vrai que moi, je ne regarde pas diamant rond ou diamant carré. Je ne regarde pas dans le sens où ça ne me dérange pas parce que j'aime bien les deux. Après, j'ai vraiment une préférence. Si on devait me demander, si on devait me demander, je préfère quoi, les ronds ou les carrés? J'ai ma préférence quand même pour les carrés, mais les diamants ronds ne me dérangent pas parce que c'est, ça reste quand même rapide à faire les diamants ronds. Bon, après, quand les diamants carrés sont mal taillés, par contre, là, oui, ça me dérange un peu. Là, ça va être l'occasion de voir. Alors, je ne sais pas quand est-ce que je vais faire parce que j'ai des toiles à finir. Je voulais me lancer sur des toiles, enfin plusieurs toiles, mais là, je vais me concentrer toile par toile parce que. Ça me fait en fait ça me fait pas mal de bazar entre mes points de croix, mes pencils, ma laine. Il faut que je me concentre projet par projet. Et là, la dernière toile, et là je crois que ça va plaire à mes filles, parce que déjà c'est très coloré. J'arrive pas à sortir la toile de son emballage, donc je déchire quand c'est comme ça, je m'embête pas. C'est une toile là qui est colorée, je pense que ça va plaire aux filles. Donc là c'est une 40 par 50 également, et regardez-moi ça. Là franchement je vais me presser de faire la toile, de faire mes toiles. Je vais me j'allais dire sans sachet zippé, bah ben non, j'ai un sachet zippé et le reste est en ribambelle. Je vais me presser de faire mes toiles afin de venir faire celle-ci parce que là franchement j'adore. C'est très coloré. C'est dans, on peut les voir aussi en point de croix. Alors, pour l'instant, point de croix, je vous avouerai que j'en ai pas choisi, mais je suis bien tentée. Donc la toile est composée de 23 couleurs, c'est des diamants ronds. Mais alors là, je vais être cernée niveau couleur, parce qu'on peut voir déjà qu'on a du rose, du violet, du jaune. On va avoir un peu de vert. Enfin, regardez, j'allais dire, j'ai pas tout, on a tout le kit de base. La barquette, le stylet et le petit pom-pom. Et regardez les couleurs que l'on a. Regardez, le jaune, il est joli, il est super. On a un jaune orangé, on a un bleu très clair. On a du violet, on a du rose, on a du orange. On passe au orange bien pétant, au orange un peu plus clair, au jaune orangé. Ouais, j'ai encore un sachet zippé qui s'est glissé là. Et puis j'en ai un ici. Pour ça, je me dis, ah super, c'est un sachet zippé, mais non. Donc là, ils m'ont barré le 19 et ils m'ont mis la référence 38-69. Il n'y a pas de 38-69. Ils sont. Il n'y a pas de 38-69. 38-65, oui, mais 38-69, il n'y a pas. Alors, à mon avis, c'est 36-69 et c'est du rose. Donc, se sont trompés en fait, c'est pas 38-69 mais 36-69 et ça correspond bien à un rose. Donc, je vais me le barrer après et puis je vais le faire. Je vais marquer que c'est 38-69 et 36-69 et non 38-69. Bon, c'est une petite erreur, ça c'est pas méchant parce que là je sais que c'est du rose parce que. On sait que les symboles que l'on a, on va vraiment, c'est vraiment la couleur qu'on va venir poser par contre. Donc là, je sais que c'est juste une toute petite erreur d'un chiffre, c'est rien. Donc là, franchement, trop top. Le prix de cette toile, comment je l'ai marqué? Couverture bande dessinée, 7,91 €. Eh, franchement, elle est trop, trop belle. Manon, est-ce que tu l'aimes bien cette toile-là? Tu la veux dans ta chambre? Oui. Ouais, sur la porte, ça va pas aller sur la porte de la chambre. Ah, faut juste la couper. Bon, bah voilà. Il faut que je la coupe pour que ça rentre sur la porte. Mais même en coupant le contour, rassurez-vous, ça va pas rentrer. C'est sûr, ça rentre pas sur les portes. Parce que c'est pas une porte pleine. Donc, mais non. C'est à la porte, tu peux mettre les petites toiles. Ah Les grandes comme ça, tu peux pas. oui. Ah, mais non, 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 non,
Tu vas la mettre à un autre endroit? Oui, à côté des toits qui sont à côté du lit, j'ai pas de place. À côté de ton lit, t'as plus de place? Ben voilà. Ça, c'est Manon qui aime trop les toiles. Et puis, alors, attends. QQ 1105. Je vais marquer lapin. Et puis, on va voir, je vais me rappeler. Goodfell. Donc, bah, Manon la veut, mais pas à côté de ça, de son lit, parce qu'il n'y a plus de place. Donc, voilà. Sinon, je vais être obligée d'enlever l'étoile, pas de patrouille. Ah, rigole. Donc, voilà. On va passer les produits en revue. Et Hop. Donc, nous avons nos petits livres sur un fond très, très uni, avec sa petite tasse. En 40 par 50, excusez-moi, au prix de 7,91 € diamant rond. Hein, de toute façon, je vous remets tous les liens en barre d'infos. Nous avons petit hibou avec sa maman, ou petite chouette avec sa maman, petite chouette avec sa maman, je ne sais pas. Diamant carré 30 par 40 au prix de 7,09 €. Franchement, j'adore. Et nous avons le format, comment ils ont appelé ça? Parce que pour une fois, j'ai marqué vraiment ce qu'ils avaient marqué parce que je ne savais pas comment l'appeler. Couverture de bande dessinée 40 par 50, diamant rond au prix de 7,91 € également. Donc, moi, je remercie énormément la société Goodfell pour cette collaboration. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!